vous entendrez tout. Toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les bonnes raisons de ne pas leur tendre la main. Dès qu'il s'agit de ne pas aider quelqu'un, on entend tout. À commencer par le silence. Si cet homme, cette femme ou cet enfant qui souffre ne sont pas les seuls à souffrir, s'il y a une guerre à nos portes, s'ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être un million à nous demander de l'aide, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Notre silence serait assourdissant. Alors voilà que nos politiques, nos journaux, nos télés, nos radios cherchent des mots. Et voilà qu'ils cherchent des images. Ils doivent parler des victimes des guerres, n'est-ce pas? D'hommes, de femmes, d'enfants, qu'on bombarde, qu'on fusille, qu'on terrorise, qu'on affame, dont on a détruit les villes, dont on a brûlé les maisons, qui ont déjà perdu un père, un frère, des parents, des amis. Ils doivent parler de rescapés qui fuient sur les routes, qui ne sont même plus des routes, pour sauver leur vie, qui ne sont même plus des vies. Ce sont ces gens-là que nous devons parler, n'est-ce pas? De ces gens dont nous pourrions faire partie, qui pourraient être moi, toi, vous, nous, mais qui sont eux. Et comment parlent-ils d'eux? Presque tous nos politiques, presque tous nos journaux, presque toutes nos radios, presque toutes nos télés, et le net lui aussi. Quels mots choisissent-ils? Quels mots répètent-ils du matin au soir, jour après jour, sans jamais en changer? Il parle d'exode, il parle de masse, il parle de horde, il parle de déferlement, il parle de multitude, il parle d'invasion, il répète inlassablement ces mots, exode, masse, horde, déferlement, multitude, invasion. Il montre inlassablement les mêmes images, des images de foules, des grappes humaines accrochées à des bateaux qui coulent, des foules parquées dans des camps qui ne peuvent pas les contenir, d'immenses colonnes de victimes jetées sur les routes jusqu'à l'horizon. Et pendant que nos yeux ne voient ces images, nos oreilles n'entendent que ces mots. Exode, masse, horde, déferlement, multitude, invasion. Du coup, ce n'est plus l'homme qui souffre que nous voyons sur ces images, ni la femme, ni l'enfant. Ce ne sont plus des êtres humains. C'est un grouillement, un pullulement, un déferlement, une effrayante menace. Avec ces phrases qui bourdonnent comme des guêpes autour de ces images, nous ne pouvons accueillir tout le malheur du monde, pas la même culture, pas la même religion, pas les mêmes coutumes, menaces pour le chômeur, menaces pour le travailleur, menaces pour notre identité. Et petit à petit, c'est comme si chacun de nous se sentait seul et menacé par cette marée noire qui n'a plus rien aimé. Tout à coup, c'est comme si ces gens qui ne sont plus des gens se sentent. Thank you.
plus en fait essayer déjà dans un premier temps de sensibiliser les gens à ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet de l'exil, de la migration, des gens qui sont obligés de quitter leur pays pour pouvoir survivre. Donc dans un premier temps, c'est ça. Et oui, et puis c'est comme une main tendue en fait, une main tendue vers l'autre pour sensibiliser, oui.